gagné Bayer Leverkusen lui-même donc cap gagné Bayer Leverkusen lui-même cap gagné pour recevoir équipe Etabelion tandis que à midi ou va joindre Mayens cap recevoir équipe Offenheim toujours dans le cadre de la 9e journée. Comment classement présenté? Classement présenté comme ça côté qui gagne Bayern Munich lui-même qui gagne qui leader dans moment avec 19 points, Borussia Dortmund 18, Bayer Leverkusen li gagne 18 tours, en 4e position RB Leipzig li gagne 17 points, en 5e gagne Wolfsburg qui gagne 17. On garde côté équipe Etabelin qui en bas net en 13e position avec 7 points. Si championnat attaque en pile là, ou gagne deux équipes là qui t'a déjà relégué dans la division inférieure, ou t'a pas joindre FC Coulon, Schalke 04, tous les deux équipes ça ont totalisé 3 points seulement pour 9 journées qui jouent déjà. Donc on va voir comment classement bité en elle, c'est Robert Lewandowski qui c'est polonais ça qui en équipe Bayern Dominique là, il gagne 11 goals, il marque 2 sous pénalité, gagne Alan les mêmes qui a vu dans Dortmund il y a 10 ans faut que Robert Lewandowski lève pied là pour que on ait un coup Alan lui-même n'est pas et bien prend et bute là dans main et Robert Lewandowski et puis nous va aller en Italie n'a quitté championnat d'Allemagne là pour nous aller en Italie côté que en Italie on va connaître une nouvelle journée dans championnat d'Italie communément appelé Serie A côté que et donc et nous capable dit pour aller gagner et match c'est pour samedi demain samedi hein à 9h pour aller gagner Sassuolo qui recevoir Inter de Milan qu'on est Inter de Milan qui était saut tombé dans Ligue des Champions devant Real Madrid là n'a prétend tomber 2-0 est-ce que Inter de Milan lui-même li pral vraiment fait une victoire pour capable satisfaire et bien que fanatique yo et bien à 10 à midi pour aller gagner Benevento qui recevoir équipe Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo et de Dybala gain Atalanta Bergame à 10h45 qui recevoir équipe Hellas Verona et bien 9e journée a continuer en Italie pardon côté que la Juve de Rome a recevoir Udinese à 9h Milan AC de Zlatan Ibrahimovic a recevoir équipe Fiorentina toujours dans même les années vers Bologne après se voir Crotone Cagliari après se voir la Spezia et bien à 2h45 un bel match football cap gain en Italie c'est pral Naples AS Rome bel match football et bien 9e journée la clôturer c'est pral en lundi qui a 30 novembre 2020 côté que à midi et demi Torino après se voir Sampdoria des jeunes à 2h45 Genoa après se voir équipe PAM comment classement y est en Italie, c'est Milan AC lui-même et qui gagne 20 points. Milan gagne longtemps ça nous parle Milan dans ça qui gagne rapport avec Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a de ça Milan lui-même lui dit plus que jamais pas de problème ici et donc Milan lui-même il va gagner pour jouer Ligue des Champions après tant pour nous voir qui ça ça va le porter classement bitel là c'est Zlatan Ibrahimovic qui gagne 10 goals, Cristiano Ronaldo gagne 8 DL, Romelu Lukaku gagne 7 goals. Pour nous terminer, nous va aller dans championnat et d'Espagne là côté que en pile mon après tant championnat ça gagné jeudi à club et bien Ronaldo Luis Dalima lui-même qui fait un match nul à domicile face à Levante un goal à 0 comment demain si devait bien dans championnat d'Espagne là gagne Elche qui recevoir équipe Cadiz là et bien à 10h15 pour le football club un bel duel entre football club Valence avec AT Madrid là on a pris tant pour nous qui ça va le porter pour équipe Atlético Madrid là nous connaît lui-même qui c'est deuxième dans le classement et puis gagne Huesca qui a poussé voir football club Séville et puis à 3h pour gagner Real Madrid dans Santiago Bernabéu qui a joué face à Deportivo Alavés et bien fanatique Real Lyon parce que nous allons prendre temps pour nous garder Real Madrid les mêmes surtout qui besoin pour là pour capable monter en l'air et soit en première position pourquoi pas en deuxième ou en troisième pour capable venir en place qualificative pour Ligue des Champions un petit pour Ligue des Champions c'est pour et bien prochaine édition pour le gagner en dimanche gagne Barcelone bien bonnet dans matin donc et quand qui va gagner pour jouer et on capable dire là c'est pas la 6e football que Barcelone va jouer face à Osasuna Pamplona et bien à 10h15 à 8h alors pardon à 8h Barcelone va gagner pour jouer face à Osasuna Pamplona à 10h15 va gagner Getafe Athletic Bilbao à midi et demi Celta Vigo va gagner pour jouer face à Grenade et bien à 3h Real Sociedad Villarreal en lundi à 3h Betis Séville et Eibar toujours dans ça qui a rapport avec 11e journée et puis classement comment lié
Real Sociedad lui-même il a 23 points, Atlético Madrid en deuxième avec 20 points, Villarreal en troisième 19, Real Madrid en quatrième il a 17 points. Classement de buteur là, c'est Mikel Oyarzabal qui a joué en deux équipe Real Sociedad là, il a 6 goals. Joao Félix qui a joué en deux Atlético Madrid il a 5. Luis Suarez, ancien Barcelone qui a joué en deux Atlético Madrid il a 5 goals. Iago Aspas qui a joué en Celta Vigo il a 5. Paco Alcacel, ancien joueur et bien football club Barcelone il a qui a joué en Villarreal il a 5 goals. Gerard Moreno qui a joué en Villarreal il a 5 goals. Voilà, donc c'est là nous mettons fin et bien pour et après-midi dans le cadre dernière sortie et bien et journal foot au sommet. Donc nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous après-midi. Donc nous sommes vraiment contents. Donc espérons que donc mais pas débrancher puisque nous connaissons après pour le gagner et bien et sommet vibe qui va le gagner après nous. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous jeudi vendredi 27 novembre 2021 pour te servir ou te gagner micro présentation en zami ou chéri va et dans sous table de contrôle là où te gagner ensemble avec nous technicien série a j'ai l'espace là. Ciao, nous allons nous quitter le déplacer papa mon Dieu, c'est déjà week-end, soit bouée pas conduit, soit conduit pas bouée. Bisous pour les filles, papa pour les filles, pour les gars.